Good morning, allez, Iden, le tutor aujourd'hui, le Lingishmat, mon rêveur Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Aouda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Richa Batraim, Nechemia, Asuki Lurfot, Eléou, Machlou Ben Chana, Ariakiba Ben Shachar, Revel Zulun Ben Chamalia, et Avraham, Uri Ben Reout, Btor Shach, Olé Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Urayot, Perek Aleph, Mishnah Gimel, Horu, Bet Din Laakoret Kol Hagouf. Amru, en Nida Batora, en Shabbat Batora, en Avodazara Batora. Are Elu Pturim. Ru Levatel Miktsat Ulkayem Miktsat. Are Elu Chayavim. Keitzad Amru Yesh Nida Batora. Aval Haba Al Shomrat Yom Keneged Yom Batur. Yesh Shabbat Batora. Aval Amosim Rishut Ha'Yechid Rishut Ha'Avim Batur. Yesh Avodazara Batora. Aval Amishtachave Batur. Alors, dans ces trois cas, Arelu Chayavin Shinemar Venel Am Davar Davar Velo Kol Haguf. Et on explique cette Mishnah. On est bien sûr donc dans Maseret Horayot. Le principe c'est le Parelem Davar Jantibour. Lorsque le Bet Din a donné une instruction qu'on avait le droit de faire une certaine chose, alors qu'en réalité cette chose-là a été interdite par la Torah à Issour Karet. Et suite à leur instruction, alors le peuple d'Israël est passé à l'acte et on a ce qu'on avait appelé une faute nationale. On a eu une partie importante du peuple qui a fauté en transgressant un grave interdit sur lequel on est passible consciemment un priouv karet, un retranchement. On l'a accompli bedi eved. En théorie, on doit porter un korban khatat individuel. Mais là, puisque c'est à cause de la faute, c'est par la faute du bet din, Que le peuple d'Israël est passé à l'acte, donc de ce fait, il faudra porter un korban de par Helem de Varch et Tzibour. Le but de notre Mishnah maintenant va être de nous dire dans quel type d'instruction particulièrement le Bet Din va être Chayav. Ce n'est pas dans tous les cas que c'est permis. Par exemple, justement, on va prendre le cas du Shabbat. Si le Bet Din a dit qu'il n'y a pas d'interdit de Shabbat, ouais, on va devoir prendre le cas grossier. Après, on va rentrer dans plus de détails. Le Bet Din s'est trompé en instruisant qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'interdit de travailler le Shabbat. Et donc, comme ça, ils ont donné l'instruction. On a la majorité du peuple d'Israël qui a commencé à prendre sa voiture Shabbat, à écrire Shabbat. Alors, dans un cas pareil, la Mishnah va nous dire qu'on ne devra pas apporter un korban. Le Bet Din n'aura pas de chayav, n'aura pas d'obligation de devoir d'apporter le korban, à la différence du cas où le Bet Din va nous dire qu'il y a un interdit de transgresser le Shabbat, mais que telle action n'est pas interdite le Shabbat. Alors dans un cas pareil, il faudra apporter un korban national et pas individuel. Et on va bien sûr expliquer la raison de cette différence. D'abord, on traduit les mots Horu Bet Din Laakor et Kol Haguf. Le Bet Din a prescrit qu'il était permis de. Ils ont prescrit de déraciner entièrement Kol Haguf. Tout le corps, littéralement, tout le principe, toute une mitzvah. Par exemple, Amru en Nida Batora. Ils ont dit par exemple qu'il n'y a pas d'interdit d'aller avec une femme qui est Nida dans la Torah. Ou encore En Shabbat Batora. Il n'y a pas d'interdit de transgresser le Shabbat, de faire des travaux à le Shabbat. C'est pas interdit par la Torah, comme ça ils ont dit. Ou encore En Avodazara Batora. Il n'y a pas d'interdit de faire de l'idolâtrie dans la Torah. Comme ça, ils ont prescrit. Et suite à ça, on a la majorité du peuple d'Israël, on va prendre un cas grossier, sans entrer dans les discussions. Donc, on a eu la majorité du peuple d'Israël qui est passé à l'acte à cause de ça. Ils ont fait le Shabbat suivant qui est venu, ils ont fait chol complètement. Les femmes sont parties arrêter de se tromper au mikvé. Suite à ça, la majorité du peuple d'Israël a transgressé des interdits qui ont un khatat, un chiouf karet, si on était mézid, de retranchement. Alors, la Mishnah vient et nous dit, Harei Elu Pturin, le Bet Din n'aura pas le devoir d'apporter le korban khatat à titre national. D'accord? Et dans ce cas-là, bien sûr, chacun des individuels devra lui apporter son korban khatat. C'est-à-dire, on n'a plus le korban national, il faudra que chacun individuellement qu'il apporte son korban khatat. À la différence du cas où, par contre, Horu levatel miktsat ulkayem miktsat,
Si le Bedin a plutôt tranché que en annulant certains détails de la chose interdite, mais en continuant à maintenir d'autres détails de la chose interdite, ouais, donc ils font qu'une annulation partielle, et suite à ça, la majorité des individuels se trompent, alors dans ce cas-là, Are Elu Chayavin, le Bedin seront passibles d'apporter eux-mêmes le korban de par Elem Davar Jemtsibo, le par particulier qu'il faut porter le korban Khatat national. Keitzad, comment est le cas qu'ils ont permis une certaine chose, interdit une certaine chose? Alors la Mishnah va reprendre tous les cas en nous disant Amru Yesh Nida Batora, Aval Habal Hashomeret Yom Keneged Yom Pato. Si le Bedin a dit comme ça, sachez qu'il y a un interdit de partir avec une femme qui est Nida, qui a ses menstruations, ses règles. Donc c'est interdit. Seulement quoi? Aval Habal Hashomeret Yom Keneged Yom. Mais il y a un cas particulier que le Bedin a levé l'interdit en disant que cette chose-là, elle était particulièrement permise. C'est quoi? Permise, c'est le Shomeret Yom Keneged Yom, celle qui préserve un jour contre un jour. C'est-à-dire, c'est des tas de détails de Zava. Il y a dans l'interdit de Nida, il y a la Nida et la Zava, c'est deux formes de sang qui peut couler d'une femme selon la période, quand ça lui arrive, il y a des règles qui définissent. Mais lorsque la femme, elle les avare, en tout cas, alors elle va avoir du sang qui va lui couler pendant... Si elle veut avoir du sang qui va lui couler pendant 3 jours, alors on va dire qu'elle est devenue une avare de là, il faudra attendre pendant 7 jours. Mais si elle a eu du sang qui a coulé pendant 1 jour ou 2 jours, on lui dit de garder 1 jour de vérification après que ça lui soit arrivé, d'accord? Ouais, c'est un petit détail. En tout cas, donc c'était un détail d'Elchot Nida, concrètement. Pour vous donner une idée, ça signifie que si une femme, elle a eu un écoulement de 1 seul jour, qui était à l'extérieur, qui était en dehors des règles où elle était censée avoir ses règles officiellement, il est possible qu'elle s'appelle Zava. Si elle a du sang un seul jour, selon la Torah, elle vérifie pendant un jour qu'elle n'a pas de sang qui lui coule, elle se trouve évaluée, elle est permise. Pas comme ce qu'on fait nous à notre époque, qu'on attend toujours, on attend 7 jours dans n'importe quelle goutte de sang qui peut couler. On attend, d'accord? C'est plus compliqué, on attend 7 jours plus 4, on va pas trop rentrer dans les détails, en tout cas voilà. Donc, je reprends maintenant, je reviens sur la Mishnah en me disant que si toutefois le Bedin Amru Yesh Nida Batora, il y a un interdit d'aller avec une femme menstruée. Mais Aval Haba Al Shomeret Yom Keneged Yom Patur. Mais le Bedin a dit, mais malgré tout, cette femme-là qui est déjà pure parce qu'elle n'a pas eu d'écoulement plus que durant une journée, elle s'est trompée au Mikvé, mais même si elle n'a pas attendu un jour supplémentaire, un détail, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit à aller avec elle. Comme ça, le Bedin a prescrit. Ou encore. Yesh Shabbat Batora, le Bedin a prescrit qu'il y a un interdit de Shabbat, un devoir de ne faire aucun travail créatif durant le Shabbat. Mais malgré tout, ils ont dit comme ça, le Bedin, Aval Hamotzim Yoshuta Yachid Yoshuta Rabim Batur, que celui qui va porter le Shabbat de la voie publique jusqu'à du domaine privé jusqu'à la voie publique, alors, sur ça, il n'y a pas d'interdit dans la Torah. Ou encore, Yesh Avodah Zara Batora, ils ont dit, c'est sûr, c'est interdit de faire de l'idolâtrie. Il y a de la vodazara, de l'idolâtrie dans la Torah. Mais malgré tout, ils ont dit que se prosterner devant une statue, avala mishtachave patur, se prosterner devant une statue, ce n'est pas interdit. Comme ça, donc, a été l'instruction du Bedin. Soit, ils ont maintenu l'essentiel de la mitzvah, ils ont dit, il y a le Shabbat, il y a la vodazara, il y a la nida, mais un petit détail, ils ont dit qu'ils ont permis un petit détail, alors, en se trompant. Et suite à ça, donc, la majorité d'Israël est passée à l'acte. La Mishnah enseigne, et bien sache que dans un cas pareil, Are Elu Chayavin, lorsqu'ils maintiennent l'essentiel et qu'ils viennent et qu'ils discutaillent sur un petit détail. Alors dans un cas, dans un tel cas, là il y aura le Chiyuv d'apporter le Par Elem Davar Shel Tzibur, le Korban particulier, le Sakratat national. Shenehemar, comme nous dit le verset, Venehalam Davar, que une chose lui a disparu, Davar Velo Kol Haguf. Un détail et pas l'essentiel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lire le passouk pour mieux comprendre de quoi on parle exactement. Après, on va apporter une précision importante dans la Mishnah. Et bien, on aura fini ainsi la Mishnah. On prend dans Vaïkra, Perek Dalet. Au début du livre de Vaïkra, là-bas, le début du livre de Vaïkra, c'est tous les détails des korbanot qu'il faudra, que Moshe Hachem a prescrit à Moshe Rabbeinu de porter. Il y a le korban Aola, korban Shlamim,
Tratat et après le Hacham, comme lieu le Menachot. Il y a maintenant dans le Perek Dalet, Mishnah Yud Gimel. Donc Perek Dalet, c'était le Perek, le chapitre qui nous parle d'apporter des korban Tratat lorsqu'un homme va transgresser un interdit de la Torah sur lequel on est passible de Karet lorsque l'on est Mézid. La Mishnah, la Torah, elle me dit comme ça. Vim kol adat Israël ishgu. Si par contre tout le peuple d'Israël va se tromper, va faire transgresser malencontreusement l'interdit de la Torah. Vener lam davar me ene akal. Et que la chose a été disparue, oubliée aux yeux du peuple, qu'on inclut en fait le Bet Din. Ve'asu achat mikol mitzvot Hashem asher lo te'asena ve'ashemu, et que suite à cela, alors tout le peuple d'Israël, puisqu'on parle du Kol Adat Israël, tout le peuple d'Israël a fait transgresser une des mitzvot d'Hashem qu'Hashem avait prescrit de ne pas faire. D'accord ? Donc concrètement, il y a ici, c'est le passage qui nous parle du Par Helem de Barjat Tzibur, comme c'est expliqué ensuite, où elle me dit que si tout le peuple d'Israël a fauté à cause du fait que ça a été omis, oublié aux yeux des Ene Akaal, des yeux de ceux qui dirigent le peuple, c'est-à-dire le Sanhedrin, et que suite à ça, on est passé à l'acte. Il y a maintenant, sur le fait que le passage précise « Vene Alam Dava » et qu'il y a eu une chose qui a été oubliée. Ouais, alors la Gma, la Mishnah, notre Mishnah nous enseigne « Vene Alam Dava, Dava Velokal Agouf ». Un détail a été erroné, falsifié, oublié, mais l'essentiel, il était encore présent, parce que « Vene Alam Dava », ça veut dire que c'est une chose qui a été oubliée, donc pas l'essentiel de la chose. De là, on déduit, c'est ce que la Mishnah nous fait, c'est que de là, on déduit que si il faut nécessairement qu'il y aura un chiou d'apporter un korban helem davar shampar helem davar shaltzibur, la transgression nationale n'imposera d'apporter un korban national que dans le cas où l'essentiel de la Mishnah, de la mitzvah ou de l'interdit est préservé avec un petit détail. Ça, c'est pour la présentation. Avec un petit détail qui a été erroné, donc dans ce cas, il faudra porter un korban, à la différence du cas où le Bedin s'est trompé sur toute la chose en disant on a le droit de transgresser Shabbat, là dans ce cas-là, on ne devra pas prendre un korban. Maintenant, il y a une précision très importante à préciser, c'est que si on lit la Mishnah, on a pris en réalité deux extrêmes et il manque à définir le cas du milieu. Vous ne le lisez pas forcément, mais l'Agma le prouve, en fait, que d'un côté, tu me dis si le Bedin a dit que toute la mitzvah est permise, alors là, on n'apporte pas un korban. Un petit détail qui est permis, alors il faudra apporter un korban. La Gemara explique en réalité que non, c'est pas exact. C'est plutôt, si ce que le Beit Din a permis, c'était une chose qui était explicite dans la Torah, d'avoir chez Enatzdokim Modimbo, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était explicite dans la Torah, où c'était pas possible de se tromper, et que malgré tout le Beit Din s'est trompé, là il ne faudra pas apporter un korban, parce que ça s'appelle que le Beit Din a remis en cause quelque chose qui était tellement essentiel, que la Torah n'a pas à imposer sur cela le parallèle de Rachat Tzibur. La Torah n'a imposé le parallèle de Rachat Tzibur que lorsque le Beit Din s'est trompé sur un petit détail qui n'était pas explicite dans la Torah, mais qui dépendait de la transmission du Ham Israël. Ça rejoint les idées du Zaken Mamré, c'est les mêmes notions. Où c'est que la transmission qu'on avait de la Torah, c'est pas explicite dans la Torah. En l'occurrence, par exemple, porter le Shabbat, c'est explicite dans la Torah. Là-bas, il y a marqué, c'est déduit tout ça. Mais il y a un cas particulier, par exemple, c'est ce qu'on appelle moshit, tendre d'un côté du Rishut HaRabim, du Rishut HaYachid, à l'autre côté, avec un Rishut HaRabim au milieu. Zrika Veoshata, par exemple, comme ça sera apporté. Ou bien, il y a encore, par rapport à la Nida, alors on a dit que, par exemple, la Nida, il n'a pas remis en cause le fait que c'était Shomrat Yom Kedegad Yom, mais c'était plutôt que Gond, Amre, Zava, Lo, Avi, Ela, Bemamahak, par exemple, on dit. Dans la Torah, c'est explicite que si la femme a eu un écoulement en journée, mais pas la nuit. Donc le Beit Din a commencé à vouloir dire qu'un écoulement durant la nuit ne rend pas la femme interdite. Ça, c'était un détail qui n'était pas... Il ne contredisait pas ainsi quelque chose qui était explicite dans la Torah, mais quelque chose qui était explicite dans la transmission de la Torah. Dans un cas pareil, il faudra apporter le parallèle de Benjamin Tzibour. Je récapitule très rapidement. Donc, il s'avère qu'en réalité, la vraie définition pour savoir quand considère-t-on que le Beit Din à contester quelque chose qui était fondamental, c'est-à-dire j'implique, explicite dans la Torah,
c'est que justement, quand c'est quelque chose qui est explicite dans la Torah, s'ils ont, c'est-à-dire si le Bedin a permis une chose qui était explicitement interdite par la Torah, alors ce n'est pas une instruction sur laquelle on va rendre coupable le Bedin d'apporter le parrainam de Varjan, c'est beau. Ça ne prend pas le statut de l'erreur nationale pour lequel il faudra apporter un expiatoire national. Non, ça reste un statut à titre individuel. L'erreur du Bedin pour laquelle il faut porter un corban expiatoire national, ce n'est que lorsque c'est un petit détail de la mitzvah qui dépendait d'une transmission. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.